rapidement, le 14 février, là, il n'y a pas longtemps, vous avez fêté vos 2 ans de mariage avec Adixia. Mais ça, c'est le mariage, je ne sais même plus dans quel pays vous étiez. Thaïlande. En Thaïlande, merci, voilà, ouais, oui, il y avait les éléphants. Donc, est-ce que, quelle question je vais te poser là, d'après toi? Tu sais pas? Je vais te le dire. J'ai entendu dire que vous comptiez officialiser prochainement le mariage en France. Oui. Ouais. Et qu'apparemment, vous parleriez de cet été. Ouais, ça devait être cet été. C'était presque Pourquoi fait ça devait à 80%. Bah, avec ce qui s'est passé, ça, ah. ça a décalé les échéances. D'accord. Donc, ben, ça devait, mais vraiment, ça devait. Il y en avait 80% qui étaient faits. De la salle, tout. Voilà. Mais on a préféré prendre un peu de recul. Ah, vous aviez loué une salle? Il y avait 80% qui étaient faits. Ah, d'accord. Vous aviez commencé les démarches à la salle, le traiteur? 80% qui étaient faits. Après, je ne vais, okay. vais pas te dire exactement. C'est elle qui s'en occupait, tu vois. Mais donc, à cause de l'infidélité, le mariage est annulé. Le mariage français. Non, il est repoussé parce qu'on va faire encore quelque chose d'encore plus gros et pas se précipiter. Et ça sera encore plus beau parce qu'on a eu des idées, mais que ça va être un truc extraordinaire. Bon. Mais j'espère que je recevrai le faire-part. Enfin, je ne sais pas si on dirait faire-part pour le mariage. C'est ça, tu le recevras, ça c'est sûr, à 3000%. Et en plus de ça, ça va être quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Mais c'est pour ça que. On a préféré reculer parce qu'il faut aussi beaucoup d'argent pour ce projet qui est devenu carrément presque un projet. Donc voilà, on ne veut pas en dire plus. Une télé-réalité ? Non. On ne veut pas en dire plus. Il y a quelque chose d'immense. Voilà, on veut faire quelque chose de en grand. Mais je respecte et de toute façon, dis-toi que le jour où vous organisez ça, je viens avec ma petite caméra, mon sac à dos. Ça va te faire régaler. Mais j'en doute pas, j'en suis sûr parce que je sais que vous faites toujours les choses en grand. Les petits David et Cathy Guetta, je les appelle. Bon, allez, gros bisous mon baga. Bisous.